Cette année, la construction résidentielle au Québec progresse à un rythme qui est plus lent, particulièrement lent, si on peut dire ainsi, ce qui aggrave la pénurie de logements dans la province. J'en parle ce soir avec Kevin Hughes, qui est économiste en chef adjoint à la Société canadienne d'hypothèques et logements. Bonsoir, M. Hughes. Bonsoir. Commençons par dresser un tableau, un portrait de la situation. Dites-moi, combien de logements manque-t-il actuellement au Québec si l'on tient compte, évidemment, de l'objectif qu'on s'est fixé d'ici 2030? Donc, pour donner un peu de contexte à notre mise à jour qu'on a fait cette semaine, en 2022, on a tenu compte de deux grands piliers pour nos prévisions, le pilier démographique et évidemment le pilier économique. Et l'an dernier, on estimait à autour de 600 000 habitations de plus qui devaient se construire d'ici 2030. Maintenant, un an plus tard, on a mis à jour nos prévisions économiques et démographiques. On l'a fait parce que l'an dernier, on sortait de la pandémie de COVID et puis il y avait beaucoup d'incertitudes et donc on a cru bon de le refaire. Donc maintenant, quand on refait nos estimations, on passe de 620 000 à 860 000 unités d'habitation à construire de plus que le rythme annuel qui est autour de 47 000. Les chiffres sont assez clairs, M. Hughes. Pourquoi le rythme de construction connaît-il des difficultés au Québec par rapport à l'Ontario? Comment est-ce qu'on explique ça? Disons que la construction résidentielle connaît des défis à travers le Canada. Au Québec, les raisons sont pas vraiment très différentes, mais la sensibilité peut être différente d'une province à l'autre. Commençons par, pour les entreprises, le financement. Pour la construction, c'est plus difficile dans le contexte inflationniste. Aussi, les coûts de construction ont augmenté, on le sait, ça touche tous les domaines de l'économie. Il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre qui était, même avant la pandémie de COVID, un enjeu et ça continue de l'être. Donc, on a plusieurs vents de front qui limitent le rythme de construction. Dans ce contexte, pensez-vous qu'il soit réaliste, envisageable de livrer 100 000 logements supplémentaires par année d'ici 2030? C'est bien évident que ce sont des chiffres de taille. C'est un défi de taille. On le reconnaît à l'échelle du Canada. On parle de 3,5 millions d'habitations de plus. Ça impliquerait des rythmes qu'on n'a pas connus dans le passé. Et donc, la réponse doit être non seulement concertée, qui est provenant de tous les domaines de la société, mais qui aussi qui appelle, de la créativité, de l'innovation. Et c'est sûr que ce sont, comme je l'ai dit, des chiffres, que ce soit au Québec, en Ontario, même si le niveau en Ontario a baissé un peu, c'est quand même des chiffres d'envergure. Monsieur Hughes, Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui, plutôt en début de semaine, que son gouvernement pourrait exempter les nouvelles constructions de nouveaux bâtiments. La TPS pourrait donc être abolie. Quelle a été votre réaction en apprenant cette nouvelle? Donc, à chaque fois qu'on fait une analyse ou surtout une prévision, on essaie de tenir compte des variables les plus à jour possibles. Donc, quand on a fait notre mise à jour, on n'avait pas sous nos yeux tous les annonces, y compris celle-là. Donc, mais c'est sûr que toute mesure est à encourager parce que, comme on l'a dit, on parle quand même de montants importants. Donc, c'est sûr que l'effet, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut, je pense, regarder ça et voir un peu quel sera l'impact. C'est sûr qu'il va avoir un impact positif, mais il faut le regarder ainsi que d'autres mesures également. Kevin Hughes, vous êtes économiste en chef adjoint à la Société canadienne d'hypothèques et logements. Merci beaucoup pour votre temps ce soir. Merci.